qu'on a installé nos postes d'assemblage ici, maintenant on peut voir que sur ce craft, enfin sur cette fabrication, plutôt, alors on va faire les choses au plus simple. Hein. On va prendre le premier, parce que vous allez voir que le nounours prend des formes différentes, c'est quand même plutôt rigolo. Alors ça c'était le corps, très bien. Ici, eh ben, on est obligé de lui faire des grosses griffes, il va faire peur dis donc, moi je vais pas acheter ça à mon enfant. Ici, des petites pattes, regardez, il a des grosses mains et des petites pattes. Ok, donc je crois qu'il faut qu'on prenne un autre corps en fait. Hein. Parce que le corps de base 1 et 4, 2 et 3, 3 et 2, est-ce qu'il faut qu'on soit plus haut? On est... Ouais, on va prendre celui-là. Bam. Donc on va te mettre en blanc finalement. Oh, il a un gros bidon celui-là. Oh, la tête du nounours, incroyable. Ici, on va te prendre du coup des gros bras quand même. Et on va te prendre des petites pattes normales, histoire que tu sois pas ridicule. Oh, je peux pas. Alors voyons, est-ce qu'on peut te prendre d'autres bras? Des bras avec des griffes. Dis donc, c'est incroyable tout ça. 13, 15. Il me plaît pas énormément ce nounours, dis donc. Alors quand même, on va mettre ça sur les postes de couture. Ici, on va lui choisir sa petite tenue. Donc blanc, blanc. Et pour qu'il soit bien mignon et qu'il fasse pas peur du tout aux enfants. Oh, mais il peut avoir une tête méchante carrément. On va lui faire une petite tête. Alors 14 et 13, c'est parfait. Une petite tête rouge qui fait pas peur du tout. Voilà, très bien. Et là, on a encore des assemblages du poste de couture à assembler. Ok. Du poste de couture à relier, pardon, pas assembler. Et donc, ici, la magie du cinéma. On a simplement de quoi faire nos assemblages. Boum. Et comme ça, tout va être fait dans la même salle. Alors, combien on peut en faire? 26. Eh bien, on va pas se gêner. On va faire les 26. Let's go. Ça, c'est énorme. Énorme, énorme. Et voyons ensuite qu'est-ce qu'on peut faire. Les chapeaux, est-ce qu'on en a? On va en faire 30, parce que ça, ça paye facile. 5, 1, voilà, parfait. On en refait. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, j'ai pas dit de mettre play, les amis. Les sauts, combien? 11. 0 sur 11, c'est pas revenu. Mm-hmm. Ah, l'altère, tiens. Ouh là, ça se casse la gueule en prix, donc ça sert à rien de la faire. Les chapeaux, on vient de les faire. Les consoles, ça remonte en prix, mais ça s'arrête. Il y en a 17, je pense qu'on va avoir le temps de les faire. 6, 16, 2. On a déjà les moules plastiques, l'assemblage tout est fait. Alors attendez, moules plastiques avec des pièces et on assemble. Alors voyons, parce que le plastique ça se passe ici. Le plastique ça se passe ici, donc est-ce qu'on ferait pas ça? Hop, hop. On va reprendre deux petites tables d'assemblage, on va les mettre là. Une. Et deux. On va mettre à côté. Alors je vais faire comme ça. Et ici on va mettre un petit tableau. Commandé pour 14 000. On link ça. On link ça. Par contre on n'a pas d'espace de stockage ici. Donc ça, alors c'est quel tableau? Voilà. Hop. Hop. Hop, comme ça le stockage, ça va rester dans la même pièce, hein. Tout va être fabriqué dans le même endroit, donc c'est pas mal de faire ça. C'est un abonné qui m'avait, enfin c'est un commentaire à YouTube hein, de quelqu'un, il se reconnaîtra, qui m'avait dit de mettre des assemblages dans les différents ateliers. Et eh ben écoute, je t'écoute. Ici, on va donc link donc ce tableau. Et voilà, parfait. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Du coup... On revient sur notre petite console. Et donc cet assemblage, ça, ça et ça, on va le faire ici. Et comme ça, tout reste dans la même pièce. Voilà, parfait. Alors j'avais enlevé des étagères dans l'ancien épisode. Et il est vrai que j'aurais pu les garder pour par exemple les mettre ici, parce que là on va devoir en racheter. Ah! Ok, je les ai peut-être enlevés. Ça sert à rien ce que j'ai fait parce que je vais en remettre ici au final. Et d'ailleurs, je vais en mettre deux de plus. Alors, le plastique, il y a aussi des... Il faut faire attention au plastique parce qu'il y a aussi des grosses choses à stocker. Donc, il va me falloir des grosses étagères. Alors, je me suis mis dans le mauvais sens. Donc, toi... On va te mettre comme ça. Ok, on peut mettre play. Est-ce que je peux mettre une grosse étagère quand même? Alors, malheureusement, ça va dépasser.
À moins que je la mette comme ça. Hein. Une là. Et une. Il faudra tout déplacer. Parce que là, on est un peu collé. À moins que je déplace ces machines. On verra. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Et là, on va hop, augmenter un petit peu du coup pour que ce soit bien dans le stockage. Ouais, je pense qu'à terme, on bougera. Ah là, c'est deux cases plus long. Ah mais non, mais là, ça dépasse de 1. Ok, bon, mais ça, c'est à refaire. C'est foiré. C'est mal fait. Ici, on booste, on booste. Là, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a du défi encore? Non. Très bien. Ok, alors, est-ce que je peux lancer d'autres trucs? Ça me paraît pas mal, déjà, ce qu'on a fait là. C'est pas mal. Ok, on va accélérer un peu. Let's go. Est-ce qu'on est dans la rentabilité? Pas du tout. On est à moins 300 de rentabilité. Il y a 28 machines qui tournent pas. Par contre, les employés, eux, ils bossent. Qui m'appelle? Shirobaba. Hey, vous avez déjà vu ces pubs de machines à exercice à la télé? Il nous en faut aussi, vous pourriez vous en occuper. En un jour, il faut faire 3 unités. Ouah, c'est quoi? On l'a jamais vu ce plan. Trop bien. Oh là là, ça a l'air compliqué. Ok, c'est un vélo d'appartement. Hein. Petit vélo Air Hamster 2000. Ok, le Air Hamster, trop bien. Ah, quel humour de merde. Ok. Donc, 1 en confort. Petite selle de couleur blanche. Mousse rembourrée. Atelier de couture. Ici, la pédale, ça va être du plastique. Ah, on peut faire le... On peut faire une pédale en bois. Que dalle. Que dalle pour la pédale. Ok, hop. Alors ça, on peut le faire dans notre nouvelle forge. Boum. Ah ouais. On va faire ça comme ça. Là, on a nos machines. Ça, c'est bon. Ici, assemblage. Donc là, boum, on peut faire la roue. Très bien. Maintenant, faire le châssis. Extrudeuse. Métal bas de gamme. Extrudeuse. Métal haut de gamme. Donc, on va prendre du moyen de gamme pour les deux. On se retrouve à 1, 39, 26, 21. C'est pas mal du tout. Ici, on soude. Là, on assemble. Ok. Et notre vélo est là. Impeccable. Alors... Couture. Ici. Plastique. Ici. Moulure. Ici. Injection de mousse. Ici. Extrusion du métal. J'ai jamais remarqué, mais en fait, c'est marqué à chaque fois. J'avais pas fait gaffe. Extrusion du métal et là, soudure, hein, j'imagine. Et là, c'est pas marqué. Ok. Ok, donc là on a de l'assemblage. Ici on en a pour 49 minutes, 43 minutes, 43 minutes et 1 heure. Très bien, donc là on a une étape qui doit se faire ensemble. Celle-là peut pas être faite tant que ces deux-là sont pas faites. Donc on va, malgré tout. Donc là c'est les étapes qui sont au même moment. Donc on commence par la droite. Alors on a dit même moment, c'est bon. Ensuite il y a une autre étape. Donc dès que là ça va un petit peu... Ah non, je devrais faire comme ça. Je devrais mettre un à droite et un à gauche. Comme ça, ça et ça, ça va se faire en même temps. Et du coup, dès que ça commence à être prêt, je le mets dans le troisième atelier. Comme ça, ça se construit en même temps. Et dès que ça commence à sortir, celui-là peut tourner. Et ensuite, l'assemblage final, et ben, on va le remettre sur celui-là. Voilà. Ok, ou alors on aurait pu faire l'assemblage final sur les rapides, sur ceux-là de nouveau. Essayons comme ça. Ok, 3 pièces... 8 heures. Alors par contre j'ai d'autres missions. Je vais peut-être attendre une petite seconde. Voyons. Faisons pas de bêtises. Faisons pas de bêtises parce que là on a à peine commencé ça. Et là on a tout ça. Mais par contre est-ce que le contrat va pas disparaître? Je vais faire une sauvegarde. On va accélérer un petit peu. Déjà faut que je passe aussi ce cycle. Combien ça fait de temps là? Ça fait déjà 10 minutes, on a rien fait. Enfin on a fait des choses mais là c'est long. C'est long, c'est long. Ok, donc là, on est en train de rattraper le retard. Ici, il faut que ça se fasse, mais gentiment. Et d'ailleurs, on va voir si l'assemblage des... Ah, il faut qu'il livre et tout, déjà. On va voir si l'assemblage des consoles se fait au bon endroit. Ici, il faudra agrandir. Ici, il faudra agrandir. Et ici, il faudra améliorer les machines. Et ici, on s'est fait saboter. Non, pas toi. Non. Est-ce qu'on peut y arriver? Merci. Ok.
Alors là, on prend de l'avance, mais là, par contre, on prend pas du tout d'avance. J'espère qu'on va rattraper ce retard. C'est parce que là, on fait pas mal de pièces, on fait toute la visserie. Vous voyez, il y a des visseries du tout dernier métal, très, très costaud. Ça, c'est pour faire du robot, il me semble. Et là, on a pas mal la fonderie qui va tourner. Donc là, on a pris tellement d'avance que je pense que je vais changer les machines. On va voir, s'il y a 10%, là, on rattrape pas le retard, je vais changer tout ça. La rentabilité, on est 10 minutes limite. Bon, je pense qu'il va falloir faire quelque chose pour ça. Parce que là, on a masse d'avance. Là, on n'a pas passé le cycle. Là, ça va se faire tout doucement. Les chapeaux, on les commence pas. Il manque des ouvriers. Hein. Faut que j'embauche. Allez, boum, 5 personnes de plus. 5 personnes de plus dans l'entreprise. Alors par contre, ça, on va être encore plus bas au niveau rendement, mais en même temps, on va pouvoir faire plus de boulot. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, vous devriez être coincé quelque part dans l'usine. Aïe, 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 ouï, ouï, ouï. Oh là là. Oh, l'erreur du débutant. Oh, l'erreur. Ah ben, on a juste à avancer un petit peu... Non, on va enlever ça, hein, tant pis. Quelle erreur. Quelle erreur. Vendre. Vite. Au secours. Regardez-les, les pauvres. Mais bon, vous êtes décoincés. Alors voilà, ils emmènent toutes les pièces d'assemblage parce que ça va être assemblé ici, nickel. Donc ils vont bien tout faire là, au même endroit. Parfait. Alors ceux-là, on va les mettre à 5. Ici, on va les mettre à 5. Et est-ce qu'on a des spécialistes à former? Là, on est en train de remonter. Voilà. Il nous fallait plus de monde. Vous voyez que les ouvriers, là, ils sont tous au boulot. Hein. Ok, on va se calmer un peu. Il me manquait du monde, hein. C'est ça. Hein. C'était ça, mon problème. Du coup, là, il y a masse d'objets. Qu'est-ce que je voulais faire? Attendez, on va remettre ça calmement, histoire que je réfléchisse à ce que je voulais faire. Donc là c'est bon, là c'est bon. Ah oui. Ok, c'est bon. Est-ce que j'ai mis cela en priorité 5? Ah oui, c'était former des gens que je voulais faire. Voilà. On y vient. On y vient petit à petit. Hein. Alors, des... Ok. Alors, des spécialistes. Attendez, mais affichez-moi tout, là. Les spécialistes, donc, de l'assemblage, c'est eux. On en a 6. Et ben, on va en rajouter, je pense. Hein. On va en rajouter. On va encore en former. Par contre, j'en ai pas. J'en ai pas qui sont prêts. Mince. Ah, lui, quasi... Et ces deux-là sont quasiment prêts. On va les rajouter. On va en mettre 8. Et ensuite, faudra... Eh non, mais c'est eux, les spécialistes de l'assemblage. On en a 10, déjà. C'est bon. Excusez-moi, je me mélange. Bois 8. Là, 5 et 5. Donc, on va passer à 6 et 6. Là, on est à 6 et 6, donc c'est bon. Et eux, c'est des classiques, ils vont dégager. Donc, on va, voilà, on va prioriser le métal et le plastique. On a des nouveaux défis. Est-ce que... Et voilà, l'autre a disparu. Évidemment, c'était un défi temporaire. C'est pas grave, on aura le plan s'il nous le repropose. Mais là, de toute façon, je l'aurais pas réussi. Hein, avec tout ce qu'on a mis en avant... qu'on a mis en marche, à mon avis, on n'aurait pas réussi. Ah, un défi de overboard. Ah, mais c'est pour la nouvelle entreprise. Yes! Et voyons ça. Alors, la planche de skate en bois, ça devrait pas être trop compliqué. Voilà, 6 repliages, pas de problème. 16 et 12, c'est le plus bas. Donc là, c'est les petits réacteurs. Donc on va faire ça... Là, on en fait un, là, on en fait 4. On va faire ça ici, avec du métal bas de gamme. Et ça, c'est quoi ces trucs-là? Ah oui, c'est l'intérieur du moteur. Hein. Donc ça, on va le faire là-dedans, par contre. Avec du métal bas de gamme. Boum! Et on a un petit overboard, 16 et 12. Très bien. Alors, 14, il va nous falloir 2 jours. Je pense que c'était, on était large. Alors, les scies, il va falloir que j'investisse à un moment donné, parce que on n'a que nos 4 scies d'origine. Il va me falloir des points. Il faut des points de compétences, absolument. Soudure, pliage, assemblage. Soudure, pliage, assemblage, on a du métal, on va mettre ça ici. Boum. C'est parti. 3 jours, c'est pas long. C'est pas long, 3 jours. On va commencer par ça, on va pousser les machines. Là, ça va se faire. Très bien.
ici, on a masse de rouages à faire pour les différents drones. Les nounours, on commence à les sortir. On a 98 000. On est en train de monter nos stats. On est dans la rentabilité positive. Tout le monde travaille. On est bien. On peut accélérer. On va faire une petite sauvegarde au cas où, tant que tout va bien. Épisode 22. Parfait. On continue. Let's go. Alors on a des drones. Et des... Ils sont gros les nounours, ça. Oh là là. Oh là là, qui font peur. Avec leurs petites mains là. Alors, est-ce qu'on a passé le cycle? Oui. Non, c'est pas ça, c'est toi. On dans ça déjà. Ok, les skates, ça se passe bien. Les défis se passent bien. Est-ce qu'on prendrait pas un autre défi du coup? Comme on est arrivé, tout va bien. Est-ce que là on aurait pas un petit défi de notre. Oh, ouh, ouh. Un drone à roulette. Ok, faisons un drone à roulette. Donc là on est dans les plans aujourd'hui, clairement. Alors attendez. Wow, jusqu'à 140, on peut monter 44 à 62. On est vraiment assez bas. C'est le métal hein, qui nous fait monter aussi haut. 75, on est assez haut en style. Et 18, on est assez bas. Ok. 5 à 9. 5 à 11. On va faire à bras assez simple. Oula, là, je sens la grosse fabrication. Je sens le gros truc arriver. Alors, est-ce qu'on peut le faire en plastique? 62. Hein. On va essayer du plastique quand même. Donc, plastoc. Boum. Petit bras en plastique. Visserie. Alors, la visserie, on l'a fait dans nos forges. Voilà. Et là, on a déjà un premier poste d'assemblage. Avec... Premier poste d'assemblage, on rajoute les pinces. Des pinces ou des trucs comme ça? Oh, énorme. C'est une espèce de... C'est un transpalette. Trop bien. On fait un transpalette. Trop cool. Alors, extrudeuse. La visserie, là-dedans. Et là, on fait tout dans l'extrudeuse. Ok, métal au plus simple. On verra les changements de matériaux. J'espère qu'on aura juste les matériaux à changer et pas le type de bras et tout ça. Parce que pour l'instant, on est encore bon. Donc là, on a un assemblage unique pour faire simplement les bras. Méga bras. Hein. Franchement, le bras est trop stylé. Regardez ça. Vraiment classe. Voyons mon petit robot. Trop bien. Ok, on continue. La tête. Ici. On va acheter la tête, on va la faire venir chez depuis le marchand direct. Ah non, on peut pas, on est obligé de la fabriquer. Alors attendez. Tête 7 à 11, 4 à 8. Là, 14 sur 20, c'est 18. Est-ce que là, 8 à 26, 75, là, 62, 58. Non, on va faire celle-là. On fait celle-là, par contre, on va la fabriquer nous-mêmes. On va la fabriquer nous-mêmes. 8, 14, 4, 7. On va faire ça. On va faire ça dans les petites forges avec du métal classique. Boum! Ensuite, là, c'est la coque extérieure, métal de base. Voilà, petite tête maintenant en alliage chinois. On sait bien comment ça se passe. Et là, oh, on est obligé de faire de ça du coup. Oh, trop bien. Oh, on fait un transpalette sur chenille. C'est quoi ce truc qu'on est en train de faire? Alors, extrudeuse. Extrudeuse, extrudeuse. Allez, let's go. Alors là, ça y est, on y vient. Donc on va avoir une partie résistante au niveau du bas du... Alors ça on va le faire là-dedans. Aïe aïe aïe. Ok, donc ça va pas aller, faut être un peu plus résistant. Alors la visserie, on va faire la visserie un peu plus cossue. Visserie. Et là on est sur de la visserie aussi. Alors du coup on est beaucoup trop cossu. Voyons, terminons ça en mode bas de gamme. Ici, plastique esthétique. Alors, 78, 75, 75, 18 sur 18. On est juste plus résistant. Franchement, c'est pas mal. Franchement, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Le drone a de la gueule. Alors, on a fait des bras en plastique. Hein. Si on avait fait des bras autre que plastique, j'aurais peut-être pu descendre. J'aurais peut-être pu descendre en résistance. Non, peut-être pas. Bon, c'est bien comme ça. Écoutez, on va partir avec ça. Alors là, sacrée fabrication quand même. Donc, ici, on est sur la partie du bras. Donc, le bras. C'est parti pour le bras. Alors, il va falloir investir dans des machines. Hein. J'ai 100 000, là, j'aurais déjà dû commencer à investir, je pense. Après ce robot-là, on va certainement se mettre à dépenser 40 ou 50 000, on va voir. On va voir ce qu'on va améliorer. Mais j'aimerais bien avoir mes points d'abord pour avoir les autres machines, en fait. Donc, toi, ainsi que toi. Est-ce que j'ai bien appuyé? Je suis pas sûr. Et voilà, j'ai mal appuyé, évidemment. Ok.
Alors, de la soudure, pas de problème. De l'extru. De l'exclusion. Extrusion, pas de problème. No problemo. Ok, donc là on a toutes nos étapes. Premier assemblage. Alors là c'est de la soudure, là c'est de l'assemblage. Donc assemblage à côté de la soudure. On aurait pu largement faire ça avec des petits postes d'assemblage dans l'atelier de soudure, mais bon, dans l'atelier de métal, mais il commence à être bien rempli. J'aurais peut-être un petit poste ici à pouvoir ajouter, mais je vais préférer mettre des machines, je pense. Donc on va faire ça dans les postes principaux. Quoique métal, ouais non, on va faire ça ici. On va commencer toujours par la droite, toujours la chaussette droite. Ensuite la chaussette gauche. Voilà. Pour ceux qui ont la référence, hein, c'est une publicité avec Zidane. Tac, donc là on fabrique nos bras. Alors, les étapes de fabrication finale, intermédiairement finale, on va les mettre ici, est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que ça va être du coup à gauche, mais que celui-là va être sur celui-là. Alors là, ça fait déjà deux qu'on charge. Est-ce que celui-là, on le met aussi là? Oui. Puisque si on met ça là, et que ça, on le met là. Mais ça, c'est ça qui va tourner. Ensuite, c'est que l'autre. Bon, là, c'est un peu dommage. Il faudrait mettre sur les deux postes, mais je peux pas. Donc, on va faire comme ça. Ok. Et du coup, là, on est dans notre petite forge. Là, on est sur la découpe du métal. Alors, est-ce que j'ai pas vu du moulage plastique? Bien sûr que oui. Ici, c'est le même combat. On a dans le plastique. Très bien, les assemblages, c'est fait. Ah, j'ai oublié ça. Et là, on va mettre dans celui-là. On va donc mettre dans celui-là. Bim, bam, boum, la plieuse. Elles sont là-bas, c'est très bien. On met ça là et on arrive au bout. Et l'assemblage des robots. Ah, il manque ici du pliage et de l'extrusion. Extrusion. C'est pas facile à dire. Non, on touche pas à ça. Bim. Bam. Incroyable, hein, tout ce boulot pour ce drone-là. Compliqué celui-là. Ok, on y est. Boum. On sauvegarde. Parce que je vais peut-être faire des bêtises là. On va lancer ça maintenant. Et du coup, c'est parti, mon kiki. Boum. Ça c'est fait. Alors, on va le laisser en bas pour le moment, on a 9 jours. On est quand même pas trop bas. Alors, il va nous falloir plus d'assembleurs, hein, je pense. Ah voilà, ça y est, on a toujours des ouvriers qui travaillent pas, donc là je pense qu'on est arrivé. Des fois ça disparaît, mais bon. Là je pense qu'on est pas trop mal en termes d'ouvriers. Alors il faut veiller à pas prendre trop de retard ici, il faudra bien faire gaffe à ça. Les thunes sont descendues, mais c'est pas grave, c'est parce qu'on a investi. D'ailleurs, je voulais peut-être investir en machine, mais bon, là j'ai trop de missions, j'ai envie de voir un peu comment ça se passe. Alors par contre, ça nous prend de la place, hein, ces gros nounours, on va les vendre un petit peu là. Parce que sinon on va plus pouvoir stocker dans notre salle. C'est surtout l'atelier du bois que j'aimerais bien commencer à augmenter et du plastique aussi. Mais bon, là pour l'instant on n'a pas de nouvelles. Ah si, quoique j'ai eu des nouvelles machines, mais c'est que des machines du métal. 200% des creuses abrasives avancées. Et ça c'est quoi? Des creuses abrasives. Ok, je pourrais peut-être les vendre et racheter l'autre. Parce que ça c'est combien? Des creuses abrasives. 100% et on passera à 200%. Donc là je suis 100%, 100%, 100%. Ok, boum, ça c'est fait. Je réfléchis, je réfléchis. Voilà, on a masse d'avance. Ouais, il va falloir investir un petit peu. Les postes de soudure, je sais même pas si on n'aura pas d'autres machines mieux que ça aussi. Alors ça c'est nouveau, c'est sûr. Ça c'est pour le bois, on l'a déjà. Ça c'est nouveau. Et ça c'est nouveau aussi. 200% des postes plasma avancés. Ça va à la place de ces machines-là. Ok. Est-ce que j'ai des choses à faire là-dessus? Il me semble pas. Hein. Bon, c'est parti. Ah, il y avait juste le tableau qui était relié. Faudra pas que j'oublie de faire ça. Bon. Énorme, leur camionnette, là, elle est trop bien. Toute blindée et tout. Ils sont tout noirs, ils sont stylés. Hein. Regardez nos petits robots, ça y est, ça sort. Oh, les hoverboards qui volent, trop bien. J'avais pas vu, j'avais jamais vu.
Toi. Excellent. On en a fabriqué des petits jouets sympas là. Regardez nos robots s'ils sont pas stylés. Alors revenons à nos moutons. Il faut qu'on va changer. On va commencer par ça. Alors c'est lequel le tableau? Lequel tableau est-ce? C'est celui-là. Non. Non, 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 c'est pas celui-là. Lequel c'est? C'est celui-là? 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 C'est celui-là. C'est donc celui-là. Ok, donc là on efface ça. On va commencer par elle. Donc je vais vendre. Vendre. Et vendre. Boum, ça dégage. Allez, on enlève tout ça. Et on va installer du gros matériel. Et celle-là, elle a toujours pas bougé depuis tout ce temps-là, mais c'est une blague. Qu'est-ce que j'avais fait, moi? Pourquoi elle avait jamais bougé, celle-là? Je comprends pas. Ok, c'est pas grave. Ça avait dû peut-être bugger, j'en sais rien. Ok, du coup, toi, je vais te mettre comme ça. Ici, on a de la place, donc on va peut-être bouger tout ça. On va déplacer là. Ok, et maintenant on peut acheter du matériel. Puisqu'on a acheté cette magnifique machine. Ouh, mais c'est tout petit en plus, on peut en mettre deux. Ça, ça va turbiner, les gars. Ça, c'est cool. Alors, on va laisser un petit espace quand même entre les deux. Là, ce temps, il sert à rien, donc c'est parfait, on peut tout laisser comme ça. 13 000, il faut des spécialistes. Ok. Alors du coup, il faut relier ça au tableau. Le tableau, c'était celui-là. Il est déjà relié en plus au stockage, donc c'est parfait. Voilà, premier renouvellement de fait, ici. Découpeuse à plasma. Boum. Et à la place, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors là, par contre, c'est gros, ça. Par contre, je vais peut-être pouvoir en mettre deux. Hein. Ah non, 1, 2, 3, 4. Ah si, il y en a deux qui vont passer, normalement. Ça va être rousteau, mais normalement, les deux peuvent passer. Ok. C'est pas toi? Et deux. Alors du coup là ils ont vraiment, ils ont pas beaucoup d'espace pour bosser hein, mais écoutez, ah je pourrais peut-être mettre non ça va revenir au même, écoutez on va mettre ça là. Boum. Et par contre le problème, 15 000 hein. Le problème c'est que j'ai pas regardé à quel tableau ça appartenait, donc là on doit se retrouver avec un tableau qui est vide, mais lequel? Normalement il y a un tableau qui a qu'une flèche. Ah ah. Et alors le stockage n'était pas connecté ou quoi? Donc toi, ainsi que toi, donc on est bien sur toi. Ok, donc c'est lequel? C'est le 1, 2, 3ème. C'est le 3ème, on va sur le stockage, ajouter un poste de travail. Pourquoi je me suis tourné? 1, 2, 3ème, c'est donc celui-là. C'est bien celui-là. Boum! Voilà, ça c'est fait. Une bonne chose de faite. On a dépensé pas mal de sous, mais là on a fait une belle amélioration de notre... Oui, magnifique, regardez ces belles machines. Elles sont belles, hein. Ok, est-ce que je me rajoute des petites forges maintenant qu'on a des grosses? Où est-ce que je me mets les grosses à la place? Est-ce que ça je peux le faire? Est-ce que ce qui est fait là-dedans je peux le faire là-dedans? Je suis pas sûr. Hein. I'm not sure. I'm not really sure. Ok. Bon, il va falloir reprendre des missions. Est-ce qu'on a des nouveaux contrats? Des nouveaux défis? Yes! Encore des drones. Bon, mais lui on va vite monter. Hein. Il y a encore un overboard. Et un plan. Est-ce qu'on est bon?
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on serait pas bon, toi? On va te faire là-dedans, en bas de gamme, mais ce plan, on l'a déjà fait. On recommence, donc toi, on va te faire là-dedans, du coup, histoire de... Ah! Ouh, qualité! La qualité est au rendez-vous. 21 en résistance? Pas du tout. On va faire comme ça. On va faire comme ça. 16, 16, 15, donc finalement, qu'est-ce qui n'est pas bon? Je suis trop fort en résistance, donc faut que je monte en style. Donc on va prendre du bois comme ça. Oh oui, une belle planche. 19, 15... On n'a pas une planche un petit peu plus belle encore. 1 et 6. 4, là, 4 et 8. On va faire... Oui, voilà, en bois recyclé. 16, 15. Yes. Voilà, parfait. Les 6. Alors, il va falloir investir dans des 6. Ça fait deux fois que je le dis, mais je sais pas si j'ai les trucs à 200. Mais non, il me faut les points de l'atelier. Je les ai pas encore. Combien de temps de vidéo? 32 minutes. Il reste quelques instants. Je me suis trompé de 6. C'est pas grave. On va faire avec celle-là quand même. Ok. Ça va ici. Nos petites fonderies, elles sont là. Les postes à souder. Et l'assemblage final que l'on va faire. Toujours pareil dans celui-là. Ok, bim bam boum. C'est parti. Alors là, on a de l'avance, c'est bon. Du coup, on peut peut-être lui faire son robot à lui. Alors, est-ce qu'il rentre dans mes catégories? Yes, 78, 75, 18, moins 1800. Moins 1800, donc c'est pas bon, on peut pas lui faire ce robot-là. Est-ce qu'on lui refait maintenant? J'ai plus le temps, non, c'est la fin de vidéo, je peux pas faire ça, on va trouver autre chose à faire. Et on a celui-là, on a ces deux-là. Est-ce que je pourrais pas m'envoyer une petite chaise? Est-ce qu'elle est déjà créée? 4, 32, 30, c'est parfait, on balance. J'espère qu'on aura le temps de tout faire, paf. Le robot, c'est bon. Alors, on va mettre ça là. L'escape, c'est à durer. Et voilà, parfait. Et on va se terminer cet épisode comme ça. On a dépensé pas mal de sous, là. Oh, les gros blocs de métaux qui sont arrivés. Heureusement qu'on a la grosse étagère, hein. Parce que là, ça commence à faire beaucoup de machines pour peu de stockage. Mais ça a l'air de bien se passer. Sinon, on divisera les stockages, hein. On en fera un autre dans le coin, là, où je sais pas trop. Je sais pas trop où. Ok, les chapeaux, ça va être terminé, voyons. Là, ils ont tout assemblé, nickel. Hein. Les consoles, elles s'assemblent bien ici, tout va bien. Les chapeaux, c'est fait. 924, magnifique. Mais bon, de toute façon, on est en train de monter, vous voyez, 71%. On a bientôt fait la totalité de nos produits. Ça, c'est bon. La rentabilité, ça remonte gentiment. Les ouvriers, bon, ben, y a du monde, oui et non. Hein. Et bientôt, je pense qu'il va falloir s'agrandir. Hein. On va faire... je sais pas ce qu'on va faire. Parce que j'aimais bien avoir tout dans la même salle. Là, on a largement de la place. Attendez, mais c'est mon atelier du bois qui est aussi pauvre que ça. Il y a que ça comme machine dans l'atelier du bois. Il va falloir en rajouter quand même. Alors, est-ce qu'il faudrait pas que je reprenne des missions? On va s'arrêter pour cet épisode. Je vais reprendre une ou deux missions vite fait. Et je pense qu'on aura encore une fois bien bossé aujourd'hui. Quand je mets pause, ce serait bien que ça mette pause. Des nouveaux chapeaux. 7, 1, 3, 5, 1, 5. 127, 84. Le prix chute, ok, on s'en fout. Waouh. Skyknife, alors c'est un avion, mais c'est génial, mais j'ai jamais vu ça. On peut faire des canons. Oula. La demande remonte et le prix augmente aussi. Faisons un canon pour cette fin d'épisode, c'est parti. Parce que là, on a besoin de bois et de métal, en plus, c'est parfait. Donc les amis, faisons un canon avec nos nouvelles machines. Ah. 28 à 35, 23 à 29, 1 à 5. Pourquoi on serait pas bon? Alors là, tout se fait là-dedans. 1 à 3... Donc on va prendre 3. 29 à 32, on n'a pas assez de style. Du style les amis, du style. Boum, masse de style. Du coup, qu'est-ce que j'ai pas choisi comme matériau? Celui-là. On va prendre celui-là, on se retrouve à 34 sur 35. Voilà, là 35 et 28 en résistance. On est trop haut en résistance, mais on est juste en style. On est trop haut en résistance, mais juste en style. Donc si je fais ça. Si
Si je fais ça et que je fais ça comme ça, 20, 29, 36, comme ça, on se retrouve à 34 sur 35. Par contre, là, on va être toujours beaucoup trop en style, en fait, hein. 28 de résistance, 35. Beaucoup trop en résistance. Mais partons comme ça, puisque là, si je remets celui-là, on est en 31 sur 35 en style. Eh bien, on pourra pas trop faire autrement, c'est pas mal quand même. Écoutez, on va faire le canon comme ça. Pour cette fin d'épisode, ça ira très bien. Alors là, surtout utiliser celles-là, qui sont celles-ci. Mais du coup, là, on fait quand même de la découpe. Et là, 18 minutes et là, 14 minutes. On va utiliser les autres, hein. Comme ça, on pourra les faire en même temps. Ça, c'est bon, c'est parfait. Et il me tarde d'avoir mes points pour investir dans les nouvelles machines de bois et de plastique. Alors là, il y a pas mal d'assemblages. Les tours, on en a 4. Donc ici, c'est du bois. Là, on doit assembler ça pour faire cette petite encoche. Et ben, on va faire ça ici. Maintenant, parce que là, on est dans le plastique et le bois, c'est ici. Donc, on va faire ça là. Alors, celui-là est déjà quand même assez blindé en ce moment. On va repartir sur cela. Ici, toi, tu vas faire le même. Et toi, tu vas faire encore une fois le même. Boum. Et toi, on va t'assembler sur celui-là. Comme ça, on ne se sert pas de l'autre. Et ici, c'est toujours au même endroit. C'est là-dedans. Et là-dedans, ça se passe ici. Boum! Il y en a 30. On va en faire 30. En plus, la demande remonte. Gain 13 000. 5 jours de préparation. On n'a pas peur. On a un peu peur. Mais on n'a pas tant peur que ça. Les amis, on va, je pense, se laisser ici. Il y a beaucoup de monde à la salle de repos, hein. Beaucoup de monde qui glande. Et on est en rentabilité négative. Il faudrait que ça remonte. Ok, alors pourquoi je pourrais pas livrer ces... J'en ai 19 et il faut attendre que le cycle passe. On a encore ça. Il va y en avoir de nouveau. Très bien, on pourra les vendre par la suite. Et ça, le cycle passe aussi. J'en ai encore 9. Par contre, là, voilà, la demande remonte. Le prix aussi, pas de problème. On est dans le positif. On fait nos chaises. Nos missions avancent bien. Les canons, on a déjà fait tout ça? 16% des canons déjà? Ok. Ah! Mince! Au secours! Il faut faire les chaises, les gars, n'oubliez pas! Qu'est-ce qui est en train de produire? Ah, on est aux assemblages là. Il va falloir agrandir la salle d'assemblage prochainement. Je pense qu'on arrive aux limites de notre salle d'assemblage, les amis. Et là, elle est en plein milieu de tout, ça va être compliqué pour la suite. Je sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Absolument pas, c'est bon, on revient dans le positif. Il va falloir que je fasse une deuxième salle d'assemblage. Hein. Pourquoi pas faire un petit truc expérimental à côté, une usine indépendante avec toutes les machines nécessaires. I don't know. C'est bon, on est remonté dans le positif. On est bien, hein, on est bien. Je suis reçu repasser 11e. 571 000 revenus, 6 000 et là 80 de profit. 495 de profit, 22 000 de revenus. Voilà, on n'est pas très bon. On a vu des meilleurs jours au niveau de la rentabilité. Allez, finissons ça vite. Là, ça fait deux épisodes d'affilée où on fait masse de défis. J'espère que dans le prochain, on a 3 points, on pourra un petit peu plus investir. Qu'est-ce que c'était ça déjà? 100% de produits simples en plus. Dans toutes les dates limites d'une journée pour les contrats clients, c'est pas mal ça. Mais bon, on arrive déjà à quasi tout faire. Non! S'il te plaît! Il m'en manque une! Elle était suffisante. Pouf. Sauvé. Et nos petits robots, ce serait bien de les livrer. Ah, les canons, oh, tous les overboards. Ils sont là, les robots, avec leurs petits plateaux. Trop bien! C'est énorme. Alors ça, c'est pour le prochain cycle, on a dit. Ah non, c'est bon. Le jour est passé. Voilà. Yes, on a passé un niveau. Le téléphone sonne. Comment ça, les gens se battent pour un jeu vidéo? Ok, fais-en, occupe-toi-en aussi, pas de problème. Alors la chaise, ah, il manque une chaise. Quantité suffisante, mais quand même une chaise qu'on n'a pas livrée. Je jette pour 534. Ok, allez. Allez, ce petit robot là, il est là. Yes. Et les canons, on a déjà fait 10. Hein. Donc là, on est déjà en train d'empocher 15 000. Cool.
Bon, les amis, qu'est-ce qui se passe? Pas de stockage libre pour assemblage des cadres. Ok, mais par contre, il me... Ok, merde, pas de stockage libre. Pour canon royal, créer une zone de stockage général ou redimensionner une zone existante pour avoir de la place. Eh bien, oui, en effet. En effet, il va falloir la stocker par ici. Alors oui, on n'a plus de place du tout. Ok, je comprends, pas de problème. Nos problèmes, on va solutionner ça de manière temporaire en faisant ça. Voilà. C'est bon, tout va bien maintenant. Est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que ça va disparaître? Yes, voilà, c'est bon. Et ils ont commencé à stocker ici. Très bien. Parfait, faites pas de bêtises, hein, les enfants. Qu'est-ce qu'il m'a mis là? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est bon, on l'a jeté la chaise, normalement, c'est bon. On devrait être vendu. Et ici, on obtient nos points. Et donc, du coup, on se retrouve avec 6 points pour le prochain épisode. Pour voir ce qu'on va faire. On va certainement se développer là-dedans. Les amis, on s'arrête ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Aujourd'hui, on a fabriqué des nouveaux objets. C'est très sympa. Des jolis robots et des beaux canons. On se retrouve très vite pour la suite. Je vous souhaite bon jeu. Et à la prochaine. Ciao, ciao.